Salut, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Du coup on se retrouve pour une vidéo unboxing, donc on va tout simplement ouvrir ma souris que j'ai reçue hier. Là ce sera la caméra principale où vous me verrez et il y aura une caméra secondaire où vous allez tout simplement voir et suivre l'unboxing avec moi. À l'intérieur de ce colis se trouve tout simplement ma G Pro X Super Light de chez Logitech que j'avais tout simplement avant mais que j'ai dû changer parce qu'elle s'est cassée. Donc j'ai repris exactement la même en noir et vous allez voir et découvrir ça avec moi. Ok, du coup on se retrouve tout simplement avec le colis que vous voyez. Voilà, une petite boîte en carton. Commandé ma souris chez Amazon directement. Et d'ailleurs, elle était en promotion au moment où je l'ai commandée. Elle était à 110€ au lieu de 160. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la souris en description. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas du coup à aller voir directement dans la description. Donc voilà, tout simplement déjà à l'intérieur du carton. Hop là, voilà. Donc vous voyez tout simplement la boîte de la Logitech G Pro X Super Light. Du coup, je viens de récupérer la boîte tout simplement sans film plastique et je vais tout simplement vous l'ouvrir avec la caméra, vous verrez sûrement mieux. C'est parti. Donc voilà, vous voyez la boîte sans le film plastique, elle est vraiment super belle et pleine de détails d'ailleurs sur les côtés avec les petites indications et d'ailleurs aussi sur le derrière. Du coup, on va directement ouvrir la boîte pour voir la souris qu'il y a à l'intérieur. Hop là, donc on découvre la souris. Let's go, elle est incroyable. Je vous montre comme ça de un peu plus près qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, elle est en toute noire. Elle est vraiment insane. Je sais pas si vous voyez bien les détails. Elle brille, on dirait. Incroyable. Donc je vais la prendre directement. Je sais pas si on voit, mais il y a encore le film plastique à enlever. Donc ça, c'est le petit moment ASMR plutôt cool. Elle est vraiment insane. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais montrer un peu les particularités de la souris. Donc ici, vous avez deux petits boutons. En général, ça sert bien sur Fortnite. Moi, c'est mes touches pour construire. Donc ça sert plutôt bien. Aussi la petite molette. On a directement le logo aussi de Logitech. Qui est vraiment stylé, qui brille. C'est incroyable. Alors je sais pas si on va bien voir, mais sur le côté, si je vous montre de un peu plus près, je pense qu'on peut arriver à lire. Du coup, il y a écrit Super Light. Donc voilà, la référence de la souris. Et je vais directement aussi vous expliquer un peu plus facilement comment vous pouvez donc installer votre souris sur le PC et la régler. Juste avant ça, on va passer au moment un peu ASMR. On va enlever tout simplement le film plastique. Donc voilà, c'était le moment un petit peu ASMR de la vidéo. En tout cas, la souris, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est super légère, vraiment. Je vous écrirai à l'écran combien elle pèse, mais elle est vraiment super légère. Je pense d'ailleurs que c'est une des plus légères. Ici aussi, on a le logo Logitech, un peu en surbrillance, avec Pro Super Light aussi, ici. En tout cas, elle est vraiment super belle et vraiment super légère. Donc ça, c'est un côté très pratique sur les jeux vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les souris légères ou les souris un peu plus lourdes. Du coup, je vous ai montré un peu la souris, mais je vous ai pas montré le reste de la boîte et de ce qu'il y avait dedans. Donc je vais tout simplement vous montrer ça maintenant. Donc voilà, directement on enlève de la boîte tout simplement un petit coffret, on dirait. Donc voilà, c'est Play to Win qui a écrit dessus. Ça indique donc que c'est le câble. Et ça, ce sera le câble qui vous servira tout simplement à recharger la souris. Donc je vais vous montrer, on va l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, juste ici, vous avez les petites notices, mode d'emploi, de comment utiliser la souris, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment super simple à l'utilisation et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ça, tout simplement, je vous montrerai, alors je sais pas si je vais les installer tout simplement sur ma souris, mais ce sont des patchs anti-dérapants que vous pouvez coller à certains endroits de votre souris, donc ce qui vous permettra, lorsque vous jouez, d'adhérer peut-être un peu plus facilement à la souris, ça peut être pas mal. Et vous avez aussi le petit autocollant de chez Logitech avec leur logo. Du coup, c'est vraiment cool qu'on ait une deuxième pièce de ça, mais je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert et où ça se met. En tout cas, c'est cool. Du coup, à l'intérieur du paquet, il nous reste donc le câble à récupérer qui nous servira donc à brancher notre souris. Donc, je vais vous montrer le câble d'un peu plus près. Donc, tout simplement, pour brancher votre souris, vous aurez juste besoin de vous munir du câble. Et donc, vous allez prendre l'embout un peu spécial que vous allez clipser au bout de la souris. Hop là, une fois que vous entendez le petit clips, ça veut dire que c'est bon, c'est branché et que donc vous allez mettre le deuxième embout sorti USB directement sur votre PC. Pendant la charge, vous aurez un petit point lumineux qui s'illuminera par ici sur la souris. Donc quand il sera orange, ça voudra tout simplement dire que votre souris nécessite d'être chargée. Et quand il sera vert, ça voudra dire que votre souris est chargée à 100%. Et bien sûr, tout cela, vous pourrez le vérifier sur l'application que je vous montrerai directement sur le PC tout à l'heure. Du coup, on passe au dernier élément qui se trouve dans la boîte, mais sans lequel
laquelle la souris ne pourrait pas vraiment marcher. Donc voilà, c'est tout simplement une petite clé de chez Logitech, mais sans laquelle votre souris tout simplement ne fonctionnerait pas. Donc il va falloir la brancher à votre PC. Donc surtout, faites bien attention de ne pas perdre cette clé parce que sinon vous ne pourrez plus utiliser votre souris. Donc voilà, c'est cette petite clé qu'il va falloir que vous branchiez à votre PC. Donc c'est un embout USB. Donc on se retrouve directement sur le PC pour tout ce qui est utilisation de la souris, les réglages, et on va tout simplement aussi faire un test sur Fortnite. Hop hop hop, je vous fais une petite interruption pour vous dire tout simplement qu'il n'y aura pas les réglages et les settings qui étaient censés avoir parce que j'arrive pas à lancer mon logiciel. Pour ça, il faudrait que je le réinstalle et ça enlèverait tout simplement tous les réglages que j'ai mis pour mon micro. Donc n'hésitez pas à aller regarder quelques petites vidéos sur YouTube pour régler votre souris, mais il n'y a pas grand chose à régler. Vous pouvez tout simplement faire des macros et le truc le plus important à régler, c'est vos DPI. Moi, je vous conseille de mettre 800, c'est le plus basique, mais après, vous pouvez les augmenter comme les baisser. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Ok, du coup, les gars, maintenant c'est Fortnite, on va partir directement sur le jeu en arène ou alors en mode créatif pour tester la souris. Je l'ai juste ici et je l'ai mise en place sur le PC et on va tester tout ça. Je vous jure, j'ai hâte, vraiment ça va être incroyable. C'est parti. Ok, c'est parti, la game se lance. J'ai vraiment hâte de tester la souris, j'espère qu'elle va être incroyable. Ok, du coup on est déjà dans le lobby. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez lâché un pouce bleu à cette vidéo. En tout cas, gros cœur sur ceux qui l'ont fait, merci beaucoup. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Je suis en stream tous les jours et on joue ensemble à Fortnite sur des moving zones, de l'arène, de la late game, un peu tout ce que vous voulez. Ok, let's go, j'ai un space 12 dans mon stuff. Je pense qu'on va pouvoir faire une plutôt bonne game, ça va être vraiment cool. Ça fait moins 100. Je vais continuer tout de récupérer. Oh, j'ai récupéré le kill. Oh, je l'ai clairement volé. On va pas se mentir. Nice, let's go. Le quatrième kill. Oh, j'avoue que je vais vraiment voler un kill, le pauvre. Ok, il y a quelqu'un juste devant. Je vais y aller vraiment discret, regardez. Hop, super discret. Il m'a pas vu. Il est cool. Oh, il m'a mis une très grosse balle. C'est un peu la sauce, là. Ok, nice, il se fait avec quelqu'un d'autre. Ok, crack, let's go. Ok, nice, 5ème kill récupéré. J'ai vraiment de la chance parce que j'étais vraiment super low. Et je vais pouvoir vraiment me remettre bien, ça va être cool. Oh, mais il est tombé de chute. What? Attendez, il y a quelqu'un ici. Il est bon. Oh, je l'ai con. Crack. Ok, nice, let's go, le kill est récup. Franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez du retour de la late game, mais moi j'aime vraiment beaucoup, c'est trop bien. Ok, moins 30. Crac. Non, c'est dommage, on est mort. Et on avait combien de kills? On avait quand même 6 kills. Ah, c'est dommage, en plus j'avais un space 12. Ok, du coup les gars, on n'a pas fait top 1 en late game, mais c'est pas grave, on va partir tout simplement en 1v1 réalistique pour tester un peu mieux la souris face à un adversaire et au moins il n'y aura pas de backstab. Ok, let's go, on va faire un 1v1 contre une banane. On a le stuff de la méta et ça, j'adore. Ok, on est 1v1 contre la banane. 50. Ok, elle est dans mon cône. Et je crois qu'elle ne veut pas bouger. Regardez. Ok, nice. 1-0 contre la banane. Ah bah d'accord, il a déjà quitté. D'accord, il a rage quitte au bout de la première manche. Ok, bah c'est pas grave, écoutez, on va retrouver un autre adversaire. Let's go. Bon, j'espère qu'il va pas quitter au bout de la première manche. Hop là, il a l'air chaud. Ok, touché 46. Waouh, il met des grosses balles. Il crack les box. J'ai plus de balles dans mon pont. Faut pas que je stresse. Ok, j'aurais pu le tuer, mais j'ai mal joué. Ok, il a son téléphone.
Bien joué, première manche remportée pour lui, GG. Il a vraiment des super bonnes metteurs. Hein. Lily, take to my wall. Il est crack. Oh, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Je pouvais pas lui tirer dessus, j'avais plus de balles dans mon pompe. On est remonté à égalité 1-1. Il est vraiment bon mécaniquement. Ok, on lui a mis une petite balle. Ok, il est crack et je suis crack aussi. What? J'ai grimpé un peu. Ok, bien joué, let's go. On mène le score 2 à 1. Je pense qu'on va essayer d'aller en le premier en 5. J'espère que vraiment il va pas me remontada parce que vraiment il est fort. Hein. Oh là là, la grosse balle. 3-1. Ok, let's go, il me reste plus que 2 points pour gagner. Ok, il est chaud. Il est crack. Ok, let's go. Il s'est coincé dans mon escalier. J'ai eu trop de chance. Il m'avait vraiment cheaton. Nice, let's go. Dernier point pour moi. On cale la petite danse du poulet pour nous donner de la chance. Ok, let's go. Ah, faut pas que je tombe de chute, ce serait bête. Ok, touch un peu. Je les crack. Ok, il est vraiment low. Là, ça va être à moi de lui mettre la pression sans faire une erreur. Crac encore. Oh, il m'a mis une très grosse balle. On va essayer de se remettre bien. Normalement, j'ai vraiment mis beaucoup plus de damage. En tout cas, j'espère. Oh là là, mais ça se termine comme ça. Sur une petite tête à l'ascar, incroyable. 5-1, bien joué à lui. Eh bah écoutez, il a été très bon. Franchement, il a très très bien joué. Comme quoi, ne quittez jamais comme la banane à la première manche parce que vous pouvez toujours remontada comme ça. Petite morale de la vidéo. Les gars, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le concept vous a plu. En tout cas, au niveau du bilan pour la souris, franchement, je la recommande vivement. Elle est juste incroyable. Je pense que vous l'avez vu au gameplay. On se retrouve dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre en attendant sur Twitch tous les jours en stream avec vous. Bref, moi je vous fais de gros bisous. Bye!